Pour moi, la compétition, c'est un moment unique où tu vas pouvoir aller chercher au fond de toi-même, donner le meilleur de ce que tu as, puis dans tes réserves mentales et physiques. Pour moi, la compétition, c'est un moyen unique de se transcender. Cette saison, c'était la première année des Enduro World Series. C'est le premier vrai circuit international en enduro qui aujourd'hui représente pour nous une Coupe du Monde officielle. Au niveau du règlement cette année, on s'adapte à chaque règlement national et en même temps le principe reste le même, c'est une course contre la montre et le but du jeu c'est de réaliser le temps le plus bas sur l'enchaînement des spéciales. La préparation de course nous permet d'affiner tous les détails de nos runs. Mais il faut être prêt à tous les aléas. Le vent, la pluie, la grêle font clairement partie du jeu. Et il faut malgré tout rester positif et toujours aller de l'avant. Le matin, quand je me prépare pour une course, je suis vraiment déjà dans mon élément. Je prends mon petit déjeuner. Je regarde des caméras embarquées de la veille, si on a l'air de reconnaître. Je me mets vraiment dans le bain. Généralement, mes affaires sont préparées de la veille. En fait, le rituel, c'est surtout une façon de me mettre dans la course dès le matin. Le VTT reste clairement un sport mécanique. Le réglage de la machine en amont de chaque run reste crucial. La relation avec le mécano doit être réellement de toute confiance pour arriver à se libérer l'esprit. Avant le départ d'une épreuve, c'est vraiment là où on se met dans la bulle, on s'isole. Même si la spéciale n'a pas encore commencé, on est déjà dedans. On est déjà tout seul. Il n'y a plus rien qui nous atteint. On est vraiment entièrement concentré sur la spéciale, sur les points clés qui vont arriver, sur la façon dont on va devoir gérer l'effort. C'est une explosion à l'intérieur pour vraiment aller le plus vite possible en bas. Au départ du run, il faut être capable de complètement se vider l'esprit, de se mettre dans une bulle, mettre tous les paramètres extérieurs entre parenthèses et se concentrer uniquement sur le run et les premières trajectoires, de manière à être explosif dès les premiers mètres.